Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année C, appelé le dimanche de Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de la joie, la liturgie de la parole retentit dans nos cœurs et proclame ce message de joie. Soyez dans la joie et exultez. Bien-aimés dans le Christ, le dimanche connu comme dimanche de la joie n'est pas si spécial à comprendre, n'est pas si spécial à vivre, mais parce qu'il faut vivre dans la joie. Mais il s'agit de quelle joie? Bien, chers frères et sœurs, Saint Paul nous donne la réponse. Il s'agit de la joie du Seigneur. Voilà, il s'agit de la joie du Seigneur. C'est pas n'importe quelle joie. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, lui aussi donne cette raison de cette joie. Si le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Bien-aimés dans le Christ, c'est parce que le Seigneur nous a sauvés et que nous pouvons être dans la joie. Chers frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui présente cette image de la joie qui n'est pas n'importe quelle joie. C'est la joie qui vient de l'attente d'un sauveur promis. Voilà. Cette joie ne se réfère pas aux besoins immédiats tels que manger, boire, se vêtir, avoir une belle maison, avoir des grands projets de la vie. Ce n'est pas ça. Cette joie sort les disciples de son monde limité. Cette joie nous fait sortir de nos mondes limités. Cette joie nous fait sortir de notre compréhension inutile et humaine. Cette joie, c'est la joie du salut donnée par Dieu au monde. Être dans la joie, c'est au fait gagner la paix du cœur. Ce n'est pas l'aisance matérielle. Il y a des gars qui ont autant de biens matériels, mais ils ne sont jamais joyeux. Ils n'ont jamais la paix intérieure. Ils souffrent. Socialement parlant, les gens pensent que ces gars vont bien, mais ils souffrent. Il est obligé de boire autant de whisky pour dormir. Il est obligé de boire autant de liqueurs pour dormir. Il est obligé parfois de se droguer pour dormir. Mais ordinairement, les gens pensent que ce type qui a beaucoup d'argent, ce type qui a beaucoup de biens, ce type qui a des facilités, c'est un homme joyeux. Ce n'est pas un homme joyeux. Le message du prophète éclate et résonne dans nos assemblées comme une trompette. Ce message dissipe nos peurs parce que le Seigneur est notre joie. C'est lui qui apporte cette joie au monde. Dieu est avec nous et il est au milieu de nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est venu, qui va venir dans sa gloire, mais qui est en train de venir maintenant. C'est notre joie. Il nous sauve. Dans la part de l'Évangile, une question que tout le monde qui va chez Jean le Baptiste se pose et pose à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire pour nous convertir réellement et attendre celui qui vient? Que devons-nous faire pour conserver la joie qui vient de Dieu? Jean le Baptiste leur répondit, n'exigez rien plus que ce qui vous est fixé. On dit qu'à leur tour, le soldat lui demandait, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. La même chose aux administrateurs, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et bien d'autres aujourd'hui, c'est de faire correctement notre travail, sans ajouter quoi que ce soit. Ne donnez pas une taxe qui n'existe pas. Vous êtes sur la route, sur la chaussée, un roulage, un policier justement, un officier de la route vous arrête, il vous dit, vous êtes en infraction. Mais c'est quelle infraction? Vous ne savez pas. Combien vous devez payer? Vous ne savez pas. Il fixe les prix qui lui revient par la tête. Oh voilà, ça coûte 100 $, ça coûte 200 $. Mais qui a fixé ça? Est-ce que l'autorité ne peut pas nous faire voir telle taxe coûte autant? Vous avez commis tel forfait, ça coûte autant. Vous avez commis telle faute sur la route, ça coûte autant. Vous avez brûlé le feu, ça vous coûte autant. Vous n'avez pas obtempéré à l'agent qualifié, ça coûte autant. Ainsi de suite. Faire correctement notre travail. En fait, Jean le Baptiste insiste pour nous dire, vivons normalement notre vie comme chrétiens et chrétiennes. Dans l'humilité. Voilà. Celui qui vient, Jean le Baptiste dit, lui n'est pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Vivre dans l'humilité, demeurer dans l'humilité, c'est la grandeur d'esprit. Jean le Baptiste, les grands des prophètes. Quand il donne la réponse à toutes ces personnes qui demandent cette question, que devons-nous faire? Jean le Baptiste n'impose pas aux gens de quitter leur travail, voilà c'est ça. Mais de ne pas chercher à s'enrichir. Voyez? Vous ne devez pas renoncer à votre métier, c'est votre vocation. C'est là où vous devez rechercher votre sainteté. Vous êtes soldat, c'est à travers l'armée que vous devez vous sanctifier. Vous êtes collecteur d'impôts, c'est à travers votre travail que vous devez vous sanctifier. Vous êtes père de famille, mère de famille, c'est à travers cette vocation que vous devez vous sanctifier. Vous êtes responsable d'une entreprise,
vous gérez telle situation, vous devez vous sanctifier dans cela. Vivez normalement, selon la loi de l'Évangile. N'ajoutez rien, n'imposez rien, ne tombez pas dans les cache-cache. Jean le Baptiste, il est le vrai précurseur. Il vit dans l'humilité radicale, devant les plans de Dieu à mettre en œuvre. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint. Voyez, la première ascèse de Jean le Baptiste est de rester à sa place de précurseur du Messie dans le dessein de Dieu. Il est le précurseur du Messie. Dans ses plans de Dieu, il reste à sa place. C'est beaucoup plus une joie qu'un effort. Voilà la joie de Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi j'ai diminué. Heureux d'avoir accompli son travail. Heureux d'avoir accompli sa vocation jusqu'au martyr. Voilà. Vivons normalement notre vie comme chrétiens jusqu'au martyr. C'est là notre vocation. C'est là la rencontre du Seigneur. Il vient. Soyons disponibles dans les quotidiens de notre vie pour le recevoir. Soyons dignes dans les quotidiens de notre vie pour le recevoir. Partageons avec les autres le peu que nous avons. Soyons généreux. C'est sur cette voie que nous rencontrons le Seigneur. Soyons généreux dans l'ordinaire de la vie. Nous le rencontrons. Il vient dans l'ordinaire de notre vie. Soyons généreux. Soyons ouverts et soyons humbles. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.